pente pa adigin palilo tara ke se ta ta atente pa pem 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 pa atente pa pa atente pem 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 pa pa atente pa atente pem 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 pa atente pa pa atente pem 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 pa atente pa atente. Aujourd'hui tu es content? Ah bon? Vraiment aujourd'hui tu es content parce que tu n'as jamais dansé pour moi comme ça. Ah oui, ma chérie. Hey. Toi, tu ne sais pas que je connais danser. Je ne sais pas parce que tu n'as pas dansé pour moi. Ma chérie, oui. Ma première femme qui était là, c'est elle qui connaît. Non, hey. Non, ne t'en fais pas. Dis donc, tu es fâché pour ça. Ah, pourquoi tu me parles de ta première femme? Non, ça c'est le passé. Ah, si tu veux qu'on soit d'accord, ne me parle plus de ta première femme. Bon, d'accord. Tu as compris. D'accord. Maintenant, la première danse, c'était pour celle-là. Maintenant, cette fois-ci, c'est pour moi. Je vais danser pour ma chérie. Je suis à l'aise. Mais je veux que tu prennes place. D'accord. Hein? Voilà. Maintenant, tu applaudis. Parfait, c'est ça. Afembe. Pas. Afembe. Pas. Pas. Afembe. Pas. Adigimou. Adigimou parilo. Adigimou. Adigimou parilo. Le jour où on va sortir à l'aise. Afembe. Afembe. Pas. Pas. Afembe. Pas. Afembe. Pas. Pas. Afembe. Non, mais Zolo, je te le jure au bout de ça, c'est excellent. Je t'ai jamais vu danser comme ça, depuis l'enfance. Ah, mon ami, moi je connais danser plus que vous tous. Ma femme, ça va? Ça va. Regarde-nous, hein. Zolo, on va danser avec toi. Tu viens danser avec moi? Oui, oui. Maintenant, il faut le regarder. Je vais vous regarder. Pa, pa, apembe, pa, apembe, apembe, pa. Afembe, pas, afembe, bembe, pas, non, pas, non, bembe, tu ne peux pas danser ça. Tu ne peux pas, vraiment. Dis-moi, ça va. Un homme qui a quatre femmes, un homme qui a une seule femme, ne peut pas danser comme ça. Merci. Mais Zolo, mais toi, tu es vieux. Qu'est-ce qui te met content comme ça? On dirait quelqu'un qui a ramassé un diamant. Ah, dis donc. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est mon diamant qui assise comme ça. Non, c'est pas possible. Ah bon? Excellent. Bon. Ouais. Mais là, il faut prendre place. Ah, merci beaucoup, mon ami. Je vais rester à côté de ma femme là. Pas. Ma femme, ça va bien? Pas. Et les enfants? Ils vont bien. Alhamdulillah. Ça va? Ça va très bien. Et ta femme? Très bien. Hein? Non, mes femmes, ma femme. Mon ami, t'as pas oublié, hein? Je ne peux pas m'oublier. C'est que tout ce qu'il fait, il fait pour toi. Je suis seule chez lui, donc il ne peut pas m'oublier. Je ne fais rien. Qu'est-ce qu'il y a? Un changement là, très vite. Il est un peu malade. Il a quelle sorte de maladie? Il a une maladie automatique. Qui est malade? Mais qui t'a dit qu'il est malade? Bon, ma femme, oui. Comme je vois que ça a eu le changement de cale là, comme il dit qu'il est malade, je vais aller chez monsieur Ba. Je vais chercher d'aspirer là-bas, je vais envoyer pour lui. Ah, qu'est-ce que tu dis? Chercher du médicament pour qui? Moi? Oui, Solo. Comme nous sommes des amis depuis l'enfant, je ne veux pas te voir souffrir et que je laisse. Mais est-ce que c'est moi qui t'a dit que je suis malade? Ah, non, ça, je le savais. C'est ce que je ne savais pas. Moi, je croyais que tu es malade, Solo. Comme la femme a dit que tu as une maladie automatique là. Bon, maintenant, ce que tu vas faire. Oui. Il faut quitter chez moi. Pardon, je t'en prie. Ma femme. Non, quitte chez moi. Je vais essayer de rentrer. Mais attends, je vais t'accompagner. Voilà. Eh. Allez où? Il est venu avec toi? Non. Eh. Quitte chez moi. Mm-hmm. Et puis vite, hein. Solo. Solo. Porte-toi bien attention, Solo. Tu te rends pas compte de ce que tu es en train de faire. Quoi? Solo, n'oublie pas le moment que tu partais pour chercher la femme là. Uh-huh. C'est nous tous qui avons effectué le déplacement, Solo. Ah, quoi? Je t'ai aidé pour le démarche de la femme là, Solo. Pour mais la femme, là. Bon, tu m'as aidé pour le déplacement. Et c'est toi qui as financé. Solo, je t'ai pas aidé pour le financement. Mais moralement et physiquement, Solo, je t'ai aidé. Solo, tu es ingrat. Solo, ne sois pas ingrat. Faut pas m'insulter chez moi. Et puis quitte chez moi. Ah, d'accord. Allez, va-t'en. D'accord. Si, allez, non, il faut que je fasse plus sur toi ici. Regarde-moi ça. Et puis viens m'insulter chez moi. Tu es fou. Regarde-moi ça, ouais. Tu es fou, vraiment. Financièrement ou quoi? Ça, c'est ton problème. Quand vous passez. Mon Dieu. Qu'est-ce que quand vous passez, je n'aime pas ça. Hein. C'est ton ami, non? Oui, c'est mon ami. Mais ça, c'est dans la rue. C'est pas ici. Et puis, il vient t'asseoir à côté de toi. Toi, tu es là. Tu me laisses. Et puis, tu es là à s'intéresser à lui. Il met son bras autour de ton cou. Attends, Solo. Attends. Si tes amis viennent ici. Si je blague pas avec eux, tu dis que je suis méchante. Je fais le contraire, tu me crées de problèmes. Bon, ce que tu vas faire. Excuse-moi, je ne vais plus refaire. Voilà. Moi, je suis. Je suis pour toi, toi. Merci. Aussi. Moi aussi, je suis pour toi. Regarde-moi très voilà. Bien. Et toi aussi. Ah, quand tu te fâches. Ah, voilà. Toi aussi. Kakouba. Non, voilà. Tu es pour moi, je suis pour toi. C'est fini. Voilà. On n'a pas de problème. Ah, non. Voilà.
C'est ça que je veux. Mais toi, quand mes amis viennent ici, il ne faut pas t'intéresser à eux. C'est pas possible. Je suis contre toi. Sarah! Oui, ma mari. Ah, mon matelot à boire. Mais c'est pas possible. Je veux, c'est mon ami solo. Il me chasse par la jalousie. Merci beaucoup. Hey. Mais c'est quoi? Oui. C'est quoi ça même? C'est mon tour. Hey, si si je le tour, c'est quoi? J'ai dit c'est mon tour. Mais c'est quoi? C'est pas ton problème. C'est pas ton problème. C'est pas ton problème, je dis. Moi non. Tout ce que je n'aime pas, c'est ça. C'est comme ça que j'ai laissé mes deuxième femmes. Je te dis, hein. Écoutez-moi bien. Si vous ne faites pas attention, je vais vous laisser. C'est bien fait, mon mari. Vous faites comprendre très bien. C'est bien fait, mon mari. Je parle à toi. Écoute-moi. C'est bien fait, mon mari. C'est pas possible. Je vous parle, non? C'est quoi, mais? C'est bien fait, mon mari. Mais c'est pas possible. Je vais chez mon ami Zolo. Il me jette par la jalousie. C'est ton tour. Eh, la même jalousie là aussi, il va tirer dans mon salon. C'est ton tour. Il y a mes femmes qui ne parlent pas encore de la jalousie. C'est bien. C'est pas possible. Oui, ça va. J'étais parti chez le forgeron. Bon, c'était pour. Tu vois mon coucou là, c'était gâté quoi. Ah, voilà. Tu as très bien voilà, il a bien reparé. Ça va? Ça va. Bien. Comment va? C'est pas les habits de Nama, Nama ça. Oui, c'est ça, c'est les habits de Nama, ton petit frère. Nous sommes arrivés là-bas. Où? Attends. Non! Nous sommes arrivés là-bas. Ouh. Mais qui t'a autorisé de laver ça? Solo, il faut une autorisation pour ça. Mais c'est chez moi? Et... Que ça ne veut pas? C'est ton petit frère, non? Mais qui t'a autorisé de laver ses habits? Et puis, pas ses habits seulement. Regarde, c'est pas ses slips ça. Ah, Solo. Hein? Il n'y a pas de crime dans c'est ça. C'est pas ses. Et puis, son caleçon encore, regarde. Solo. Non, attends. Non, je vais te tuer aujourd'hui, comme pas. Nama! Où tu es? Je suis là. Viens là. Mais, non, c'est pas lui, c'est toi. C'est pas tes habits ça. Ouais frère, ce sont mes habits. Mais qui t'a autorisé de donner tes habits à ma femme de la vie? Mais frère, il faut une autorisation pour ça. Tu ne sais pas ça? Mais c'est pas ta femme, vous êtes mon frère. Même père, même mère. Je suis ton frère, de même lait. Ouais. Mais on se partage pas la femme. Mais frère, tout ce que ta femme peut faire pour toi, elle peut faire pour toi. Ah! Mais frère, non, attends! Quoi? C'est là-bas que j'attendais. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est tout ce que ma femme peut faire pour moi. Si elle peut faire ça pour toi aussi, maintenant prends tes clics et claques et tu t'en vas. Mais frère, à cause de ta seulement. Je te dis, prends tes clics et tes claques et tu t'en vas. Solo. Mais le jour que tu es mort, je vais prendre ta femme. Ah bon. Allez. Je te dis, prends tes clics et claques et tu t'en vas. Mais attends. À cause de ça seulement. Mais Solo. Prends. Je te dis, pas prendre tes clics et tu sors. Prends. Et puis tu t'invites, hein. C'est pas lui, c'est toi. Solo. Non, je te dis, c'est pas lui, c'est toi. C'est ton petit frère, toi. Sors de chez moi. Je te dis, sors. Bon, ça va. Eh, voilà. Il y a pas ça. Frère. Eh, Solo. Va-t'en. Mais toi et moi. Solo. Toi et moi. Solo. Je n'aime pas ça. Tu as chassé ton petit frère à cause de ça, toi aussi. Oui, oui. Solo, j'ai pas le droit de laver les habits de ton petit frère. Tu n'as pas le droit de laver les habits de mon petit frère.
c'est quand je te donne l'autorisation. Non, Solo, moi je ne comprends rien maintenant. Regarde-moi ça. Solo, toi. Je n'aime pas ça, hein. Solo, tu m'emmerdes. Le jour que je suis parti te chercher, c'est lui qui qu'on a présenté là-bas, c'est pas moi. C'est un membre de ma famille. Mais c'est pas lui qui a été présenté comme mari, c'est moi. Je suis le seul et unique maître ici. Je te dis. Solo, maintenant je ne comprends rien. Mais attends. Je ne comprends rien vraiment. Tu seras de quel bois je me chauffe. Attends seulement. Vraiment. Je suis rentré dans des problèmes. Je te le jure. On dirait que je suis la seule femme mariée du village. Chaque jour il y a des cris ici. Moi, ma vie est foutue. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Assalamu alaikum rahmatullahi. Assalamu alaikum. Hein, mon frère, mon frère. Pourquoi tu viens demander ma femme? Et puis j'étais ici là en train de nous parler, tu ne vas pas écouter. Je n'aime pas ça, hein. Il faut pas l'insulter. Et puis, là, toi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux faire? Toi, il faut que je te qu'est-ce que tu veux faire? Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est un passant. Je n'aime pas ça. C'est un passant. C'est un passant. Ah, c'est seulement où se trouve le passage. C'est ici qu'il a vu la rue. C'est pour cela qu'il a passé par là. C'est comme ça que tu me parles. Comment je vais te parler? Et tu ne peux plus me parler comme ça. Hein? Comment je vais te parler? Regarde-moi ça. Tu dis que je suis ton petit frère. Oui. Ton ami qui était venu. Le passant. Est-ce que moi je peux suivre tous les gars du village? Hey, je n'ai confiance à aucun homme de ce village. Oh, ici. Hey, tu sais, il y a quoi? Tu me fais souffrir. On dirait que je suis la seule femme mariée du village. Tu me fais souffrir. Tu me rends la vie difficile. Tu es ma femme. Il ne faut pas oublier ça. Tu es ma femme. Regarde comment je suis aujourd'hui. Tu me fais souffrir. D'ailleurs, moi, je vais partir chez mes parents. Aujourd'hui, je ne vais pas partir. Allez, je te parle. Oui, je vais partir. On va partir ensemble. Attends. Moi aussi, je vais prendre mes bagages. Attends. Dis-le comme ça. Dis-le comme ça. Hé! Où tu veux aller? Kagouba, attends. Laisse-moi, laisse-moi. Je ne veux pas rester. Pardon. Je veux partir. Je non, veux je t'en prie. Tu me rends la vie impossible. On dirait que je suis la seule femme. Il ne faut pas aller, Kagouba, je t'en prie. Non, non, tu me rends la vie impossible. Je ne veux pas passer la nuit. Je t'en prie. Je veux partir. Il ne faut pas faire ça. Faire quoi? Tu me fais souffrir. Je t'en supplie, pardon, Kagouba. Ne va pas. Je veux partir. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Comme j'entends le cri là, c'est pour cela que je suis venu m'intéresser. Bon, maintenant, si tu vois que je parle. Tu vois les hommes pareils là, c'est eux qui vont dans la cimetière, ils enterrent les morts, ils déterrent les morts, ils se couchent avec eux. Dis là. Moi? Oui, toi. C'est pas moi. Non, c'est toi. C'est vous qui va à la cimetière pour déterrer les femmes, moi, pour faire coucher avec lui. C'est pas moi. Moi? Ouais. Tu vas foutre le c'est un voisin. Il est malade, ne le touche pas. Maintenant, il sera sain tout de suite. Pardon. Qu'est-ce que tu veux, Solo? Quand quitte. Tu veux qu'il te surprenne, quitte là-bas. Hé, Nino, tu es malade. Cousin, s'il te plaît. Hé, Solo. C'est ma quitte là-bas, il ne faut pas que tu me supprimes. Quand tu m'as quitté, attends. Viens seulement, si tu es homme, comme moi, viens ici. Attends. Quitte là-bas. Quand tu m'as quitté. Si tu viens me trouver, je vais te mettre en jeûne. Viens ici seulement. Bon. Tu es malade? Ça, c'est le dernier secret. D'accord, ça, c'est mon dernier secret. D'accord. S'il te plaît, Solo. Quitte là-bas, quand tu m'as quitté. Eh, Solo, lâche. Quand tu m'as quitté. Cousin. Quand tu m'as quitté. Kagouba, quitte-toi! Kagouba! Viens de faire les mains sur moi! Je vais le crier! Tu te prends quoi? Tu es malade! Viens sur l'eau! Je vais le crier! Tu te prends quoi? Je vais le tuer! Je vais le tuer! Tu es malade? Je vais le tuer! Laissez-moi! Il ne sait pas faire la dame, sa femme! Il ne sait pas faire la dame, sa femme! Il ne sait pas! C'est pas lui. Tu m'as frappé. Tu seras maudit.
tu es maudit. Daïda, il m'a frappé. Il m'a frappé. Solo, tu as fait tomber le vieux là aussi. Mais si je n'étais pas là, il allait te tuer. Qui? Mon cousin. La leçon que je lui donnais, tu n'as pas dit. Quelle leçon? Tu étais par terre, non? Tu crois que j'étais par terre? Tu étais par terre. Tu n'as rien compris. Maintenant, tu connais mon dernier. Toi, tu ne connais pas mon dernier secret. Quel dernier secret? Bon, attends. Quand moi, je commence à me bagarrer avec quelqu'un, tu comprends? Regarde-moi bien. Je fais comme ça. Après, je me positionne. Je fais comme ça. Je te prends. Je te permets. Tu te couches sur moi. Après maintenant, je fais boum. Donc, je te perds. Donc toi, tu n'as pas de force. Qui, c'est le couteau. Toi, tu travailles avec le couteau. C'est de la vie là. Je ne sais pas quoi faire. Regarde des traces. On dirait que je suis la seule femme mariée du village. Vraiment, si je ne fais pas attention, Solo va me tuer ici. Une jeune fille comme moi. Ah! J'ai des problèmes. Mon Dieu. Ah. Bonjour, grande soeur. Bonjour, ma soeur. Ça va? Ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Regarde des traces. Regarde. Mais vous avez des troupeaux ici? Même un, on n'en a pas. On dirait que c'est des troupeaux qui se sont battus ici. Eh, quel troupeau? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Tibri Solo qui s'est jeté sur un voisin tout de suite. Tibri Solo? Eh. Pourquoi? On se discutait ici. Ce dernier est venu pour une simple intervention. Oui, ça valait pas le coup. Qu'il est venu me chercher encore. C'est ce que je t'avais dit. Si jamais tu ne quittes pas ce foyer, Gibri Solo risque de te tuer. Hé, hey, ma soeur, au Marigot, on parle de ton mari. Au marché, on parle de ton mari. Dans la mosquée, on parle de ton homme. Même les petits-enfants en parlent. On dit qu'il est le seul homme de ce village. Si vraiment tu ne quittes pas ici, tu ne trouves pas une solution, il va en finir avec toi un jour. Vraiment. Mais il ne va pas en finir avec moi. Parce que je vais partir chez mes parents. En tout cas, ça, c'est à toi de voir. D'ici qu'il me trouve ici, je t'ai venu pour te dire un simple bonjour. Moi je vais pas rester ici pour ne pas qu'il me dise que c'est un homme encore qui s'est transformé pour venir. Bon, attends, je vais t'appeler. Non, reste ici. Aujourd'hui, je vais pas rester ici. Il faut rester ici. Je vais rester ici. C'est son affaire, s'il veut. Quand je sors, elle rentre. Quand je rentre, elle sort. Quand je sors par la fenêtre, elle sort par la porte. Maintenant, quand je parle, les gens du village sont là. Ah, il est comme ça. Il est comme ça. Maintenant, il faut voir. Elle a moyen ma colombasse de miel. Elle a moyen ma colombasse de miel. Attends.
Est-ce que le monsieur qui était venu demander ici là, est-ce qu'il ne s'est pas donné rendez-vous avec ce dernier? Et voilà. Ils sont en train de faire le coumettin comme ça. Je suis là. Et voilà. J'ai dit. Mais elle vient de me trouver ici. Pour aujourd'hui, au nom de Dieu, je vais la tuer. Attends. Et voilà. Et... Attends. Tu as ma crème basse de il vient d'abord. Il vient de ici. Solo, toi tu as toujours la mine serrée. Où tu amasses ça? Je vais aux toilettes. Quoi? Aux toilettes. Pourquoi? Pour me mettre à l'aise. Ça ne pourra pas te suffire. Ça là. Pourquoi ça? L'eau là du bouillon ne va pas te suffire. Je vais être à l'aise. Mais je ne suis pas sale, je me suis lavé le matin. Quoi? Tu es sale comme ça? Mais je ne suis pas sale. Attends. Pourquoi tu sois propre? Attends, je vais te montrer l'exemple. Amène-moi ça ici. Tu vois, si tu n'as pas peur de moi, il faudra avoir peur de Dieu. Mais pourquoi? Parce avoir que tu peur es sale. De Dieu. Attends. Tu vois? Tu sens mauvais comme ça là. Pour laver le djinnaba. Attends, je vais te montrer. Tu te dis que je ne suis pas sale. Tu es sale, plus que le bon même. Et regarde comment tu es. Tu viens prendre le bouillon là pour aller te laver. Attends-moi maintenant, je vais te montrer comment se laver, laver le djinnaba. Tu vois le seau là? Regarde-moi bien. Tu fais comme ça. Regarde. Tu as vu? Tu fais ça une fois. Après, tu te prépares encore. Tu fais comme ça. Regarde-moi bien. Tu fais comme ça. Tu vois? Après avoir fait tout ça là, tu prends ça là. Regarde. Tu fais comme ça. Et puis ça finit. Maintenant, tu deviens propre. Tu as compris? Je ne vais pas me laver. Maintenant, prends le seau. Tu vas remplir. Tu vas te laver. Je ne vais pas me laver. Je vais le prendre le seau. Je refuse. Aujourd'hui. Prends le seau. Je refuse. Attends, tu vas me croire tout de suite. Il ne faut pas prendre. Prends le seau. 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 Tu vois mon pistolet là? Tu vois le petit pistolet là? Oui, oui. Maintenant, elle laisse ça ici. Elle va suivre les gros canons comme ça là. Toi, tu peux accepter ça? Mon ami. Bon. Mes condoléances. Parce que ça, ça dépasse même la mort. Mais est-ce que toi aussi tu comprends? Non, écoute. Mais je n'ai pas de décès. Mais ça dépasse la mort. Ah bon? C'est la dernière chose qu'une femme peut dire à un homme. Bon, maintenant là, tu as la solution. Mais écoute mon ami, écoute bien. Écoute, je vais te dire un secret d'homme. C'est mon grand-père qui m'a légué ça. Tu entends? Oui. Va au marché. Tu cherches un gros manioc. Comme ça. Oui. Si tu veux. Oui. Oui. Tu éplis ça très bien. Tu mets beaucoup de sel. Tu laisses jusqu'à 19h. Au moment du coucher là. Après la crépuscule. Voilà, la prière du crépuscule. Merci. Là. Tu croques tout. Oui. Je te dis, mon ami, je te jure, ton affaire sera comme ça. Tu jures? Plus en plus qu'un canon. Tu jures? Oui, tu vas dépasser les autres là.
Au nom de Dieu. Maintenant, elle va plus sortir, quoi. Elle ne va plus sortir. Ah, d'accord. Non, mon ami, merci. Moi, tu vois, hey, non. Moi, j'ai l'habitude de faire ça, tu vois pas? Ah bon? Oui, c'est vrai. Bien. Non. Vraiment, merci pour le conseil. Non, d'accord. Je pas te remercie. Problème. Oui, pas de problème. Maintenant, ce que je vais faire, oui. Au lieu d'aller chaque fois au marché, oui. Je vais aller faire un chat de manioc. Et puis si je vais derrière ma case ici. Oui. Tu comprends? Oui. Maintenant, il n'y a plus de problème. Non, il n'y a plus de problème. Vraiment. Mon ami, vraiment, moi j'aime conseiller les gens qui sont compréhensifs. Merci, vraiment. Mon ami. Merci. Au revoir. Je te remercie très ne bien. Ne fais plus ça. Ok. Ne fais plus. Merci. Ah, au revoir. Vraiment, tu es gentil. Oui. Merci pour le conseil. Non. Il veut se foutre de moi. Madame, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va, oui. Vous allez bien? Oui. S'il vous plaît, madame, votre village là s'appelle comment? Notre village là s'appelle Kanunu. Kanunu. Oui. Ça c'est bien. Où vous allez comme ça? On va à Nyamena, derrière votre village là. Derrière le village là? Oui. Et vous ne savez pas que ici, dans notre village là, personne ne sort la nuit ici. Eh, pourquoi? Oui, oui. Parce qu'il y a le lion qui dévore les gens. D'accord. D'accord. Tu sais, moi je suis un grand chercheur. Chercheur, il ne faut même pas dire ça. Tous les sorciers du village ont tout fait pour tuer le lion là, ils n'ont pas pu. Ah bon? Oui, on dirait qu'il est sorti. Mais je vous conseille de passer la nuit ici. D'accord, madame. Merci quand même. D'accord. C'est très gentil. D'accord. Hey, Billy. Tu n'as pas entendu ce que la femme vient de dire? Je l'ai entendu. Tu veux dépasser ça? Mais oui. En tout cas, moi, je ne vais pas bouger d'ici. Ah, il faut chercher de là où on va se coucher. Moi, je ne vais pas bouger d'ici. Si tu veux aller, le lion te dévore là-bas. Moi, je ne vais pas aller. Mais tu n'es pas confiance à moi. Confiance, ça, confiance sur ça. Je ne vais pas aller. Il faut chercher là où on va dormir. C'est toi qui vas chercher là où on va dormir. Parce que moi, je ne connais personne ici. Moi, je connais quelqu'un. C'est toi qui sais. Parce que c'est toi qui dis qu'il faut qu'on dorme ici. Il faut dire que c'est nous qui savons. On va chercher tous ensemble. Moi, je ne vais pas aller aider. Vraiment, ma main, on a oublié. Ah ouais, allez-y. Tu vas le savoir, c'est la meilleure solution. Il faut chercher de là où on va. Tu dois t'es appelé hier et tu n'es pas venu. Oui, qu'est-ce que tu avais? J'étais en commission de mon père. Quoi. Ah bon? Oui. Ça va? Ça va bien? Oui. Tu sais, on avait un rendez-vous là-bas. Oui, c'est vrai. Quand est-ce qu'on va partir maintenant? Bon. Demain maintenant. C'est où? Demain? Oui, à demain. Quelle heure? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Okay, bonsoir. Bonsoir. Okay. Ça va? Vous allez bien? Très bien. Vous bien? Ça va ici? Oui. Monsieur, s'il vous plaît là. Oui. On avait rencontré une dame là en rentrant là-bas. Oui, oui. Elle nous a dit un problème, je ne sais pas si c'est vrai. Bon, elle nous a dit que la nuit, oui. Qu'on ne peut pas traverser ici, il y a un lion qui tue les gens. Elle a parfaitement raison, mon frère. Ah bon? Chez nous ici, à partir de 19h, personne ne peut bouger ici. Vous passez la nuit ici. Alors là, ça c'est grave. D'accord. Moi, ne me parle pas. Tu as raison. Moi, je sais que tu as raison. Bien dit. Non, mais il faut demander aussi. Comment demander, tu insistais? Mais mon frère, c'est un problème. Oui. Tu sais, nous, on est étrangers. Oui. On ne connaît personne ici. Pour passer la nuit, c'est là le problème. Il n'y a pas de problème, mon frère. Nous sommes en Afrique. Moi, je même 10 personnes peuvent passer la nuit dans une cage. Ça, c'est vrai. Moi, je peux l'accompagner. Merci beaucoup, mon frère. Oui. Vous êtes donc, tellement tu sais gentil. Que moi, je n'ai pas de place, moi, là-bas. Tu peux les loger là-bas? Bon. Lui peut le léger. Oui, moi je peins, moi je peins. Vraiment, ça nous fera plaisir. D'accord, d'accord, merci beaucoup, mon frère. Non, vraiment. Okay. Moi, j'ai beaucoup marché. Là-bas, non, tu as raison. Oui. Tu as raison. Bon, allez-y. Bon, merci beaucoup, mon frère. Ok, merci. À tout à l'heure. Hein. Oui. Maman dit, oui. Le samedi passé, tu étais là-bas? Oui, j'étais là-bas. Mais la partie était bonne. Même moi aussi, j'étais là-bas. Tu avais vu Fatim? Bon, non, je ne l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu. Tu sais qu'elle m'avait fait la fois dernière? Non. Non, vraiment. Mesdames, pourquoi? Vous êtes là? Oui, oui, nous sommes là. Ça va? Oui, ça va. Je suis tellement content, je n'ai même pas pu me laver d'abord. Ah bon? Pourquoi? Pour aller trouver un monsieur au village, il y a un danger à côté, celui qui va te loger là-bas. Mais il faut être content. Ça, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Ah! Parce que ça, c'est ta sécurité. Oui, oui. Moi, je suis étranger, je ne sais pas. C'est vrai. Hein? Vous êtes chez vous? Merci beaucoup, vraiment. Non, moi-même, j'ai compris ça.
Ça va? Oui, ça va très bien. Et madame, elle va bien? Elle va très bien, je repose. Ok. Mon frère. Oui. J'ai un problème, faut que je donne à vous l'explication. Il n'y a pas de problème. Parce que vous avez été très gentil envers moi. Oui. Et pourquoi je vais au village là? Ma femme qui est avec moi là. Oui. Je l'ai mariée, ça fait 2 ans. 2 ans. Je n'ai jamais touché. Mon frère. Oui. C'est vrai ça? Mais c'est vrai. Parce que. Oui. Son plaisir, c'est quoi? Oui. Pour couper le sexe de l'homme. Il a coupé 4 garçons, 4 sexes. C'est moi qui ai marié à la 5e position. Est-ce que moi je peux accepter qu'il coupe pour moi? Non, 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 pas du tout. Je ne savais pas, je l'ai déjà marié. C'est la raison pour laquelle il y a un monsieur qui m'a parlé, un féticheur. Oui, oui. Qui est là-bas, on dit le Kouflamoro. Ah, Kouflamoro. Vous le connaissez? Oui. C'est le plus grand féticheur du village. Ah, Dieu merci là. Ils m'ont dit que lui, il peut solutionner. Oh, il va te traiter ça. Ah. Aucun problème. Ah, merci, j'ai eu tellement de confirmations maintenant. Aucun problème. Ça me fera de plaisir. Il n'y a pas de problème. Tu vas, mon frère? Oui, oui. Donc, c'est le problème qui est avec moi profondément. Mais il faut être un homme. Aucun problème, il va te faire ça très bien. Ah, merci. Là, je suis maintenant à l'aise parce que j'ai eu de confirmation. Il est très bien. Ah, merci. Il est capable pour donc, ça. Donc, moi, je vous laisse. Oui. Et je vais aller me laver et me reposer. Y a parce pas que je dois sortir tôt le matin. Il n'y a pas de problème. Hein? Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Cher ami. Ah, comme je suis à ces messieurs-là. Oui, oui. Donc tu me trouveras. D'accord. Vous merci beaucoup. Vous merci. Hey, mais dis donc. Lui là, sa femme là, vraiment. Oula. Oui. Eh, moi je suis père. Pourquoi encore? Quand je t'ai sorti là tout de suite là, mm-hmm. D'aller aux côtés des amis là-bas. Oui. Tu sais ce que je l'ai entendu là-bas? Non. Et puis, je l'avais vu encore. Qu'est-ce que tu as vu? Tous les hommes de village là, mmh. Ils sont de 2 sexes. Quoi? Tu n'as pas entendu ce que je l'ai dit? 2 sexes à la fois. 2 sexes? Je te le jure, bon Dieu. Billy, moi je n'ai jamais entendu ça de ma vie, là. Jamais vu encore. Je l'avais vu. Tu as vu ça? Quand j'étais assis là, l'autre a quitté d'aller réunir. Ah. Il était arrêté. Quand il a commencé à réunir, il y avait un lot par là, il y avait un lot par là. Ça, c'est pas 2 sexes. Billy! Pourtant, je l'avais entendu d'abord avant que le voir vis-à-vis. Et tu sais leur plaisir c'est quoi? Non. Quand ils se couchent avec une femme, deuxième plaisir pour le tuer. Et je te le jure. Demain matin, bonne heure, on va quitter le village. Ah. Et c'est la raison pour laquelle moi je ne voulais pas dormir ici. En tout cas, tu sais c'est la femme qui nous a fait peur encore. Ah non, le problème de lion là aussi qui m'a fait peur. Mamadi, oui? J'ai un autre plan. D'accord. Pour faire quitter le monsieur dans la cage. Comme c'est un étranger, je vais aller le dire pour aller saluer le roi. Tu m'as compris? Oui, j'ai compris. Quand on sort seulement, vous allez profiter. Hein? D'accord, c'est... Ok, je viens. Hé, mais moi j'ai peur de... Quoi? Oui. Mon ami. Oui. Ça monsieur, va? Ça va très bien. Vous allez bien? Ça va, oui. Je suis venu vous chercher. Pourquoi? Pour aller vous présenter au chef du village. Chef du village? Oui, oui. On ne peut pas l'attendre le matin? Ah, en ici, tout cas, mais il fait nuit de... Ici, uh-huh. Même on rentre à 2h du matin, uh-huh. Vous allez saluer le roi. Eh, monsieur, si on peut l'attendre le matin, ça sera bon pour moi. En mais tout cas, parce qu'il fait nuit. C'est pas bon pour moi, même moi qui vous ai logé, c'est pas bon pour moi. Quand on attend le matin, ils vont m'attaquer, c'est pas bon pour moi. Levez-vous, on va partir. Alors là, ça c'est grave. Okay. Allons. Vraiment. Vous allez revenir tout de suite. Madame, vous vous attendez ici. Hein? Attends, c'est pas loin d'ici. C'est pas loin, c'est tout près. Clago. Il ne faut pas me laisser toute seule ici. Ah, qu'est-ce qui ne va pas, madame? Tu sais, elle fait nuit. Ton pied, c'est mon pied. Ah, en tout cas, c'est ça. Si tu vas. Ah, non, ah, il va venir tout de suite. Viens, on va. Viens, on va. Ah. On va avec. Non, non, non. Madame, vous restez. Hey. Vous restez, madame. Madame, pas rester. Hey. Mais on est bien à l'étranger. Si tu veux présenter aux étrangers, au chef de vous n'avez pas confiance en moi? Non, c'est pas un problème ayez de confiance. Confiance en moi. C'est moi qui vous ai logé, non? Mon frère. Suivez-moi. Tu peux m'écouter? Oui. Mon pied. C'est la fille de ma femme. Ah, ah parce qu'on a dit. Le chef du village ne veut pas voir une femme. Ah, c'est... bah, là, là, ma main, elle est où? Madame va rester ici. Aucun problème. Ah, je vous la garantis. Votre village, là, ça, c'est. D'accord. Attends-moi. Comme je ne suis pas loin d'ici. Tu sais que je suis seul ici. Il ne faut pas me laisser tout seul ici. 5 secondes. Si vous voulez même dans 3 secondes. 5 secondes, ça c'est trop. Parfait. Dans 3 secondes. D'accord. Ah. Ah, attends, je viens. Viens, ne dure pas là-bas. Ah. Hey, madame, asseyez-vous. Hé. Hey. Ah ouais. Monsieur, si c'est pas toi, vraiment. Viens, viens.
il faut aller. Mais ne dure pas, de... Ça, c'est grave, de... Allô? Qui est à la porte? Oui, c'est moi. Entrez. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Ça va bien? Ça va. Ça marche? Oui, un peu. Et toi? Ça va. Oui. Et mon mari, où vous l'avez laissé? Non, on a laissé chez chef de village là-bas. Et vous savez que je suis seul ici, il ne faut pas qu'il dise là-bas. Non, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça va? Oui, ça va. Vous êtes vraiment gentil ici. Ah, ok. Oui. Le jour que je t'ai vu, je suis tombé malade. Ah bon? Oui. Ça serait plus de... Oui. Mais tu sais que... Oui, le jour que je t'ai vu, je suis tombé malade. Quoi. Tombé malade d'un seul coup comme ça? Oui. Hey. Oui. Quel est ton problème maintenant? Ah, mon problème, c'est que je t'ai dit là, c'est ça. Là, je suis parfaitement d'accord, mais tu me laisses voir ça d'abord. Quoi? Attends. Oh, il m'a coupé! Laisse-moi voir. Ouais, il m'a coupé! Ah. Il m'a coupé! 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 Écoute-moi, écoute. Le mariage là, j'avais bien dit à ton père, mais il ne m'a pas écouté. Ce Tigibri Solo là, quand il est venu ici demander ta main, j'étais le seul qui était contre lui. Mais quand Tigibri Solo a commencé à envoyer les sacs de riz et les 5 bœufs, ton père a oublié tous les conseils qu'on lui a donnés. J'ai tout fait pour qu'il m'écoute, il n'a pas voulu. Hélas, aujourd'hui, je n'ai aucun moyen. Si j'avais les moyens, j'allais rembourser les 5 bœufs pour que tu aies ta liberté. Mais dans ces conditions, comme tu connais ma vie, vraiment, ma fille, il faut accepter, il faut aller vivre comme ça. Hey, écoute, écoute, écoute. Ah, écoute, c'est pas comme ça. Moi, je n'ai pas de moyens pour rembourser ton mari. Jenny, Jenny, viens là. Ah, ma fille, toi aussi. Ah, ça. Hein? Elle dit qu'elle veut pas de son mari. Qu'elle demande le divorce. Et mon mari. Il faut qu'elle aille chez son mari. Et mon mari, c'est vrai que ma fille reste ici. Pourquoi? Son mari solo n'est pas bon. Les 5 bœufs, son père a mangé avant de mourir. Tu peux les rembourser? Non. Donc il faut prendre la fille, vous allez partir. Elle va assumer les conséquences. Ma fille, tais-toi. Ma fille, tais-toi. Ma fille, tais-toi. Il faut partir. Ma fille, tais-toi. Le mariage par intérêt. Voilà les conséquences. Ah, mané du gouzou mara manengalo. Ago mansa du mala. Sonya ta wuli ni wele no fakita guru kana. Ago iye kele ifele. Domina le kana faga. Akele bori bali kele mari dangarena. Nakane musa na moida. Ina moini telele la dunya la yele.
Nuru soma karabali soma manden soma voloni manden soma laba tonti yontani woro nyara dabana nine moriti kanaludu olubeki wasaronde turamano troma ki wasaronde jatalido ya jatabarakoti ya kere nakane musa woni minno sansano kalani soni juso ina lese de na matulunge namu mandi mansa inisu namu kama soro mi fe namu alali no moko lubelana namu aduma moko bege keleni namu nakane musa ngwani mino lani sanyi ni fonyo badene ah gelmori itunya ikai masamima nakane musa leko sansa ndogi ndalako kafara djuma nungula namu kafara nyamagana kafara gina magana namu filan huko ma anikangombori namu kani simbo namu. Kani nyego simbo kabala simbo la wali simbo namu nakani musakani ko namu namu mande masa sene mato namu nakande de namu kande musa bara cinema namu mure bumba bara cinema namu mari mama mande kabara cinema namu Ikeita. Namu. Kafra nyama ani gina magana. Namu. Fina dukoma ani kankombori. Namu. Ili kuru ili bi. Namu. Tota jotani woro. Namu. Ngara nani. Namu. Morisi kana lulu. Namu. Obeki wasado tromagano. Namu. Tromagi wasado jondo. Mande namu. Masa. Namu. Nyabe nima. Namu. Ah! Mare mama mandeka. Namu. Soso simo ani simo salaba jakuma wara la simo. Ikeita. Namu. Imaji. Mande masa. Paki Makana nigwa Namu Bey babolo Namu Kande Musa Akoye Amagwe la kele yive Domina le kana faga Akele bori balilu kele madidanga dena Kele mabori la te kele todu jmongi ufare Ah Jiliba itunya Namu Ikai masamima. Namu. Nakana deneko. Namu. Kande Musa. Namu. Nare mama mandeka. Namu. Sogo sogo simbo. Namu. Ani simbo salaba. Namu. Yakumaru wala simbo. Namu. Mama kuna tede. Wali yaka. Namu. Nyali tunda ke uru kile. Nyali bora ke uru kile. Namu. Nafa muru kofla kwe. Namu. Tunda kile kile kona kono. Namu. Kumaru tebe geta kona te. Namu. D'abord, le frappe qui est à Konate. Namu. Il y a quelqu'un de Kuruma qui a la moussouma qui l'a cassé. Namu. Nakale Limba. Namu. Kanda qui fait ça va. Namu. Pourquoi Bedola? Frunto Bedola. Kuna Kuruba. Namu. Nakale Musa Ibanimba. Nakale Musa Ili Soroma. Namu. Quand ça va les Balamina Lada? Mara Balamina. Abraham Madimi. Mara Bila. Ima Balawatoe. Namu. Musa Nibala Inikon. Jingini Kalo. Tout crossingi, anima crossingi, kula de bra, anukuru gensemba, sato, anibonoto, jingini kalu, yakisemi sigilikun, fadentro yakisemi sigilikun, ijugutenya sumafiu, namu, kandemusa iniku, nyano aitunya, namu, nga wadefungu, kandemusa padoduma anna, jumasalini, namu, kaduma jule giri, namu, ifara seriburi korola, namu. Kanisise namu jumatene namu kon kamara namu frana juma nugula namu kande musa ibanimba namu alaka standa brakala namu kande musa alaki dambrakala namu alaka dugu dambrakala namu kande musa alaki dambrakala namu alaka fuyo dambrakala namu kande musa alaki dambrakala namu alaka tili dambrakala namu kande musa alaki dambrakala namu imaye Laissez-moi passer. Je ne suis pas venu pour faire du crime. Je suis venu voir le roi. Laissez-le. Laissez-lui s'exprimer. Vous avez la parole. Mon roi, j'ai remarqué que tous les hommes de ce village sur ma femme Kakuba. Alors, j'ai décidé de quitter votre village bordel
pour aller m'installer loin d'ici. Vous voyez ce fusil? Je ne l'ai pas acheté contre les animaux. Ni quoi que ce soit. Mais je l'ai acheté contre les hommes qui vont suivre ma femme Kankouba. Celui qui ira me chercher là-bas, dans mon hameau, je le tuerai, tuer ma femme Kankouba et me faire tuer aussi. Denimoli! Oui, mon roi. Est-ce que cet homme n'est pas fou, drogué? Il est fou. Je ne suis pas fou. Loin d'être drogué. Même vous, le roi, je n'ai pas confiance en vous. Samari, Keïta, n'arrive pas à Mandeka. Sous son Simon, Alice Simon, ça là-bas. Yakman ouvre la Simon. Maman, qu'on a tiré Waliaka. N'yali donna qui a voulu killer. N'yali voilà qui a voulu killer. Ça va mourir quand la gueule donna qui n'yali voilà qu'on a. Ikaïla Simba fait mourir face aux sana. Keïta, n'arrive pas à Mandeka. Dingla te kalfalam voilà quoi ça. Imagi. Kani Simon, kani yoko Simon, kawala Simon. Quand d'arriver face à ma inicon. Jingini kalon. Kula deba, ane kula gien Simba. Angi ko le frr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 
Tafras le Borikorola. Keita, n'a pas de cas. Sous Simon Lissimo Salaba. A fois, quand même, quand même, tu as été. Allez, c'est une tonne de Kadidoma. N'a pas de cas. Il a son inicou. Tiki Nikano, tout le crossinki, Anima crossinki. Kurla de bras, Anikur Gensembra. Sato, Anibonoto. Qui voyait qui gagne par Kadayon TV? N'y a pas de cas qui voulait. 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 N'y a pas de cas qui Mande Massa Modi, Keita, Anyama Digiro, Beni Lodia, il va focus la voto kuno kande kalila note sila dibo. Keita, Nyamara anegina mara finalu komari kan kumbori. Ana ni sene bori koro. Afo kambe kaya matu ya te Beni Lodia le. Anyi kone furu focho. Il va focus la voto kuno kande kalila note sila dibo. Keita, ana ni kande koro. Kande Massa inigwa, iba nigwa. Ini kuno inibi, Beni Lodia. So so simwani simu salaba. Nyama nyaki, nyele. Aïda Kadiye Solina Nafa Amangoyile Keleife Yoni Mansari Kemendi Mansari Date Mokose Nike Ole Nyumatile Kelema Bori Bagati Kele Tori Manfala Ali Wagyo Nakande Moussana Namunjali Mousso Mokaman Kadoufo Mandense Barajiye Femente Jala Mandense Mansanji Lete Namana le fait beba fois. Anka manka foye. Horomusu den kambre kirin de koye. Naki bon dembalen de mida. Anka manka foye. Horomusu den kono kambanani. Nungola sei. Nyekise konondo. Anikun kolotan. Horomusu den sakin sa. Dune la menisa jan de koye. Dankuno ro lenkele. Banna ole fula mosu yesu de di. Ba son de yesu de di. Fana de di. Ouye fula den ouye fula den de di. Nyankana bola den. Anyuna buboro de la. A fula le maman de. Lenka fula gwa tombon. Lenka fula fin tombon. Sekujan arabajan. Anka manka fouye. Bah mon ifa de ma aye que la fa qu'elle nous fait attaquer la braca nous fait en comment cafouiller bah mon chouille sous les dix et ma alhamdoulilah rabbil alamin ni ga me salam alaykou ya rasoulallah salam alaykou ya kalullah salam alaykou ya jamilallah salam alaykou ya bibullah salam alaykou ya rasoulallah ala la kala toma sallallahu alayhi wasallam wala majina de kafra mandena en comment caf do fouiller parce que ina le nyada kuma te banna. Population de Sansandor, ma paisible population de Sansandor, je vous bénis au nom de mes ancêtres, que vos esprits soient pleins de sagesse et que la reine soit hors de mon royaume. Amen. Aujourd'hui matin, un homme est venu se plaindre contre vous. Vous les hommes de Sansandor, soit disant que vous faisiez tout ce coup à sa femme. Non, lui il est fou. Et cet homme, il s'appelle Tribi Solo. Ah, voilà. Pour cela, il est cinglé. Il a décidé de s'exiler à 15 km de mon gros village au nord pour y vivre en solitude avec sa petite famille. Et il a juré. Jurer de tuer quiconque ira le trouver dans son domaine. Cet homme est devenu fou. Il est plus malade qu'un débile. Pour vous dire, il a osé, moi Nakande Moussa, votre roi, de m'accuser d'être un amant de sa femme. Nulle était l'intervention de mon client Jen Mori. Mon sabre allait se nourrir de son sang. Il fallait le tuer, le roi. Vraiment. Il fallait le tuer. Il fallait le tuer. Il fallait le tuer. Pour cette raison, je bannis Tribi Solo de ma société. Population de Sansandor, je vous interdis d'être en contact avec la famille de Tribi Solo, car il est capable du pire. Et vous êtes avertis, vous êtes prévenus. Un homme averti en vaut mille. Criez public. Oui, mon roi. Dis à ma paisible, aimable population de Sansandor que j'ai été très ému de cette grande mobilisation.
et que la science est levée. C'est tout ce que vous venez d'entendre. Notre roi bien-aimé, Nakande Moussa, c'était sa déclaration et que la séance est levée. Je vous remercie. Qu'on déménage dans son hameau pour vivre loin de la société. Pauvre Kankouba, dans ma vie, je n'ai jamais rencontré un homme aussi jaloux que Solo. Mais ma copine, il faut divorcer. Si c'était moi, je n'allais jamais sur ce monstre-là. Mais vous ne savez rien. Même le jour du rassemblement, là, il a osé insulter notre roi. Ma copine, cette fois-ci, c'est trop. C'est la dernière goutte-là qui a débordé le vase. Mais je vais lui donner une leçon. Quelle leçon, ma copine, tu pourras donner à ce poste-là? Je vais montrer à Solo qu'on ne peut pas garder une femme. Même si on la met dans une bouteille. En tout cas, ma copine, vaut mieux trouver la solution pour ça. Au revoir, ma copine. Au revoir, ma copine. Hé, Kankouba. Hein, 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 hein. Pourquoi tu parles à ma femme? Pourquoi tu parles à ma femme? Quelle copine? Je n'aime pas ça. Est-ce que vous êtes? Écoutez-moi. Quand le village ne dormait pas, vous ne dormez pas. Vous là, vous allez me connaître, attendez. Mais moi je ne dis rien. Celui qui est mort, il n'a qu'à aller me suivre dans mon hameau là-bas. Namore kame yo to na fantone adera namane mbore alu barmakine die manine wa masaka kusali ane mpate saka budangi mane mutiri ma ala galimani asabati yo warame uriye wa yebe awa ibe afanyira warame e warame il est la randonne, est-ce que moi dit n'y est tout bas? Quand la randonne, est-ce qu'il est n'y est tout bas? Il est la randonne, est-ce que moi dit n'y est tout bas? Tu n'as pas encore fini d'allumer le feu. Non, si tu es lente. Toi aussi. Kankouba. Oui. Ah.
Presque. Moi, je suis prêt pour le chant, hein. Ah, déjà. Ah, hein. D'accord. Ah. Ah, le forger là. Non, il a bien travaillé mon coupe-coupe là. Bon. Bonne journée. Ok, merci. Mm-hmm. Il faut. Voilà. Tout de suite. Oui. En venant, tu m'as porté un peu de fagot de bois. Quoi? Un peu de bois. Non, mais Kagouba, tu vas te foutre de moi ou quoi? Ah, Solo, est-ce que ça c'est une foutaise? C'est moi qui dois transporter ton fagot. Maintenant, tu veux qu'on se fasse la méchanceté? Ah, dis donc, on n'a qu'à se faire la méchanceté. Dis donc, moi Solo, je ne peux pas faire les travaux champêtres. Après, je finis ça, je prends le fagot et je t'envoie. Je ne peux pas faire ça. Tu n'as rien compris encore. Regarde-moi ici. Ouais. On se fait la méchanceté. Dis donc, ouais, on n'a qu'à se faire la méchanceté. C'est quoi? Tu n'as rien compris. Regarde-moi ici. Regarde-moi ici. Ah, quoi? On se fait la méchanceté. Ici même. C'est ça là? Ici même. Ah, non. Ça non, même. Ça ne fait pas partie. Ah. Non, attends. Écoute-moi. Dis donc. Non, toi aussi, tu ne crois pas de la blague. Je blaguais. Ce soir là, en venant. Non. Non. Tu verras le résultat. Quand je serai là, quoi. D'accord. Tu comprends? Aujourd'hui, là. Ça va marcher. Ah, 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 ah. Non. Quoi? Ah. Ah. D'accord. D'accord. Non. Ah, ah, compris. Bon. Bonne journée. À ce soir. D'accord. Ah. Kakoua. Nafadima. Oui, maman. Nafadima, ma fille. Où toi tu étais? J'étais dans la brousse. Qu'est-ce que tu fais dans la brousse? Maman, je joue là-bas. Eh, Nafadima, ma fille! Tu ne sais pas qu'il y a des petits serpents dedans? Si ton père te trouve là-bas, va te casser la gueule. Allez, venez ici pour moi, imbécile! Non, attends. Je suis contente. Hein? Je t'ai pas dit. Maintenant c'est ok. Hein? Non, il faut aller regarder d'abord. D'accord. Ah, pour avoir confiance, il faut regarder. Non. Kagouba. Oui, Solo. Dis donc, je suis fatigué, viens me presser un peu. Ah, c'est parce que tu es seul. Ah, aussi. Bon. Dis donc, j'ai trop travaillé aujourd'hui. Regarde, le fagot de bois aussi. Puis j'ai envoyé. Doucement, Kagouba. Ici, non, ici ça me fait mal. Bon, aujourd'hui, tu as beaucoup travaillé. Ah, c'est pas ça seulement. Quoi? C'est. Ah, dis donc, c'est pas toi qui m'as mis dans la situation là. Quoi? Ah, dis donc. Tu sais comment tu étais hier? Non. Dis donc. Tu étais hier comme un volcan en éruption, je te jure. Solo. Et comment toi tu étais hier? Non. Solo. Comme un cheval de 3 ans. Ah bon? Et toi pas 5 ans, sauf 3 ans. 3 ans. Ah, alors là, j'étais en super forme. Tu étais plus que ça même. Tu ne te fatiguais même pas. Kagouba. Toi, tu es plus que ça. Voilà, ça va comme ça. Voilà, Kagouba, ça va. Ça, merci. Voilà. Oh, merci. Merci. Kagouba, c'est les traces d'un homme ici comme ça, regarde. Ah! Mais regarde. Les traces de qui? Il y a un homme qui a passé ici, regarde. Voici ces traces. Hey, on est à combien de kilomètres comme ça? Hey. À 15 kilomètres. Hey, même si non, nous sommes à 1000 kilomètres. S'il te plaît. Non. Ne m'accuse pas, s'il te plaît. Je te dis, c'est la trace d'un homme ici, comme ça. Regarde. On a fait ici combien de mois? Ah, dis donc. Non.
Personne n'est venu. Non, je ne connais pas ça. Oh même non, si on fait ça, d'ailleurs. Mais non, regarde. Tu as commencé encore. Non, ne m'accroche pas. Oh non, mais regarde, regarde. Mais regarde quoi? Personne n'est venu ici. C'est moi qui ai porté ta chaise. Quoi? C'est moi qui ai porté ta chaise. Bon, enlève, enlève. Ouais. Ah, Kakuba, ah. Attends. Confiance. Eh, dis donc, la confiance n'exclut pas le contrôle de. Tu as eu la chance. Quelle chance? Tu as eu la chance. Eh, tu me vois? Tu me vois bien? Non, tu me regardes moi bien. Si tu ne fais pas de chemin. Ça va être la cause de la séparation entre moi et ta maman. Attention, hein. Depuis hier, je t'ai dit que ma souci est coûtée, tu n'as même pas. Non, non, non. Tu m'as rien dit. J'étais là. Ah, dis donc, attends. J'étais là. Non, non, non. J'étais là. Non, 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 on m'a rien dit. Ah, dis donc. Bon, mais si on m'aurait dit ça, moi, j'allais coudre ça. Coudre ça, tu peux pas acheter une autre paire. Tu as eu la chance. Tu as eu la chance. La confiance n'exclut pas le contrôle. Tu n'as plus confiance en moi. Non, dis donc, c'est pas ça. Tu m'envoies à 15 km. Je ne sors même pas. Si c'est fini, c'est fini. Je t'avais parlé de ma soeur là. Tu crois ça là? Celle qui a Sidiri. Tu ne la connais pas. Ah ah, voilà. Moi, je... Voilà, ah ah. Ouais, voilà, maintenant nous sommes d'accord. Je t'avais parlé d'elle, tu te souviens? Ouais, ouais, ouais. Elle est venue. Elle est au village. Ah ah. Tu veux que tu me laisses partir là-bas, j'ai dit. Jamais! Te laisser partir au village? Jamais! Ça, non, 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 oh, non, il faut même pas partir. Non, yes. Je... non, 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 Solo, viens, non, viens, ah, viens, 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 viens. Tu sais, moi j'ai toujours deux idées dans ma tête. Uh-huh. J'ai dit la première, non? Ouais. Si tu ne me laisses pas partir au village, uh-huh, est-ce qu'elle peut venir ici? Ah ah, voilà. Là, nous serons d'accord sur ça. Et toi aussi. Si elle veut venir ici, elle n'a qu'à venir. Tu sais que je t'aime, je ne peux voilà pas. Voilà, non, là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème dans ça. Moi, non, tu ne connais rien. Ah. Je vais déjà envoyer une commission. Ah bon? Oui, pour qu'elle vienne. Ah, ah bon? C'est toi, tu es maligne. C'est maligne. Tu voulais m'essayer, quoi? Ah, quoi? Toi là. Toi là. Tu devais vraiment te laisser. Amena tone ha e ginera su bangi qui ina deba la magdei isabi giru mabu e uli ba ma sœur est venue. Ah, comment ça? Là. Tu parlais de toi tout de suite. Ça va ici. Ah, comment ça? Avoir ton sac et ton mari. Elle va bien. Et tes enfants? Ils vont tous bien. Viens là. Ça va ici. Hein? Voici ma sœur. C'est de celle-là qu'on parlait tout de suite. Ah, Allah, c'est celle-là encore, Sarah. Ah bon? C'est comment? Mon mari. Ça va ici? Ça va? Non, je suis contente aujourd'hui. J'ai besoin de chercher quelqu'un pour venir m'accompagner ici. Nous, c'est pas facile de nous rejoindre aujourd'hui. Mon beau, ça va ici? Ça va, mon beau, ma belle. Kakuba. Non, vraiment, tu te ressembles avec ta soeur là. Mon beau. Ça va ici? Ça va, ma belle, ça va bien? Pas de problème ici. Je n'ai pas de problème. Ma soeur, prends place. T'assois. Ma soeur. Je suis fatigué aujourd'hui. Non. Voilà, assois-toi là-bas, ma belle. Ça va? Ma soeur. Ça va là-bas? Et tes enfants? Ils vont tous bien, ma soeur. Ça fait longtemps. Hé, ma soeur.
Toujours moi, je dis à mon mari de me laisser venir voir au village. Il n'accepte pas. Bon. Voilà. Moi, mon mari ne me laisse même pas partir au marché. Laissons tomber ça, oui. On va s'occuper de l'étranger. D'accord. Tu sais ce qu'on va faire? Non. Tu sais, il n'y a plus de poulet chez nous ici. Il n'y a plus de poulet. Voilà. Je vais partir dans mon hameau là. Mm-hmm. Tu comprends? Voilà. Tu sais, il y a un coq là-bas. Mm-hmm. Voilà. Je vais aller envoyer ça. Tu vas préparer ça pour ma belle. D'accord. Bon, en attendant, il faut lui donner à manger. Tu comprends? Ah, pas de problème. Voilà. Encore ça là. Attends d'abord, t'as aussi été pressé. Qu'est-ce que Marie Gassi, il est parti? Tu sais qu'il est jaloux. Il est parti. Aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, on ne va pas fermer l'œil là. Ben, vous êtes bien. Attends d'abord, est-ce que tu m'aimes? C'est Villa qui va faire la consigne. Hein? Mais y'a quoi ici? Mais m'appelle, qu'est-ce qui ne va pas? Y'a quoi? C'est la maman de ce. Y'a quoi? Ma soeur est de ce. Quoi? Ma tante. Ah non, il faut pas plus. Ma belle, il faut pas plus pour ça. Hé, hey, nous tous, on attend notre jour. La vie, c'est comme ça. C'est chacun, tu sais. Voilà, ça va comme ça, dis donc. Ah, ne me faites pas pleurer, moi aussi. Chacun, voilà, nous attendons tous ce temps-là. Hein? Ça va. Ah, prends l'eau. J'ai envoyé le poulet. D'accord. Voilà. Voilà. Ah, dis donc. Bon. Solo, oui. Tu t'avais très bien dit de construire, n'est-ce pas? Oui. Tu m'as même pas écouté. Maintenant, on a une étrangère. Voilà. Où elle va passer la nuit? Dans la cuisine. Quoi? Dans la cuisine. Ah, non, tu es folle. Dans la cuisine. Ah non, non, non. Toi, non, attends. Ah, dis donc. C'est moi qui suis là, ou bien? Mm-hmm. Toi et ma belle, vous allez passer la nuit dans la case là. D'accord. Est-ce que tu comprends? Mm-hmm. Tu diras à ma fille, il va prendre la natte là. Moi, je vais me coucher dans la cuisine. Dis donc. Mais moi, je suis homme. Attends, Solo. Ah. Nafadima est une grande puceuse. Ah, dis donc. C'est pas grave. C'est pas un problème, ça. Nafadima. On va préparer ça très vite, là. Nafadima. Oui, ma belle. Viens là. Vous pouvez rester dans la cage, c'est pas grave. Ah, ouais, mon beau. Merci. Ouais. Merci. Bon, ma soeur, je vais préparer ça. Nafadima. Va balayer la cuisine. Vite, tu prends la ma belle. Non. Il faut rentrer, tu vas aller te reposer. Voilà, moi je vais prendre la natte. Eh, tu vas prendre le sac là. Depuis que l'étranger est venu, tu ne vas pas faire rentrer le sac là. Toi aussi. Et puis. Mais c'est là-bas où tu es, ma chérie. Je n'aime pas ça, hein. Tu m'as pas vu. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma fille. Ça va? Ça va. Où est ta maman? Elle est partie au Marigot. Et sa grande soeur? Elle est dans la chambre. Ah bon? Ah, elle est en train de se reposer? Oui. C'est bien ça. Bon, prends ça pour moi. D'accord. Il faut envoyer dans la cuisine là-bas. Oui. Quand ta maman viendra, elle va bouillir ça pour moi. Oui. Ce soir-là, je vais me laver avec ça. Oui. Hein? D'accord. Tu sais, j'ai les mots de rien des fois, quoi. D'accord. Il faut envoyer ça là-bas. Est-ce que vous voulez pas? Bonsoir. Oh,
Maman, quoi? Papa est en train de crier là-bas. Quoi? Papa est en train de crier là-bas. Quoi, ta tante? Elle a il a fermé la porte. Là, il est là, maman. Je suis foutue. Il a fermé la porte. Il a fermé. Ta tante est dedans? Oui. Hey, tu sais ce que tu vas faire, ma fille? Oui. Hey, regarde-moi très bien. Oui. Passe de l'autre côté, par là. Oui. Faut pas qu'il te voie. Tu as compris? Non. Va, vite. Cours. Hey, hey, hey. Tu vas passe par là. Va, cours. Faut pas qu'il te voie. Ah, il est là. Maman, je suis foutue. Je suis foutue. Ma vie, il va me tuer. Mon Dieu, c'est ton fou, il va me tuer aujourd'hui. Ah, ma vie, c'est juste pour toi. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Kagouba, tu m'as trompé. J'ai hébergé un homme durant tant de jours chez moi. Pour moi, c'est sa grande soeur. Yaka, c'est pas sa grande soeur. C'est un homme. Pendant 30 jours, je suis en train de le nourrir. Mais je ne dis rien d'abord. Je vais attendre Kagouba. Elle viendra me trouver ici aujourd'hui. Je vais tuer l'homme là. Je vais tuer Kagouba aussi et les brûler ensemble, s'il plaît à Dieu. Si je ne fais pas ça aujourd'hui, et qu'elle tire mon cœur, je te jure, hein, je ne dis rien d'abord. Elle viendra me trouver. Hein. C'est quoi? C'est quoi? Pourquoi tu pleures? Marie! Ce que tu as fabriqué, si tu connais? Marie! Hein? Toi, tu ne connais rien! Même si tu pleures, je te jure, ce que tu connais. Non, laisse-moi t'expliquer d'abord! Il y a quoi? Laisse-moi t'expliquer! Qu'est-ce qu'il y a? La malédiction est tombée sur le village! Quelle malédiction? Marie! Quoi? La malédiction est tombée sur le village! Mais quelle malédiction? Explique-moi! Tous les hommes sont devenus des femmes et toutes les femmes sont devenues des hommes! Ah bon? Et ton papa? Mon papa est devenu une femme. Ta maman aussi? Ma maman aussi est devenue un homme. Même le roi est devenu une femme. Quoi? Même le roi est devenu une femme. Oh. Tais-toi. Tais-toi. Hey, écoute-moi. J'allais faire du crime derrière toi, tout de suite, au nom de Dieu. Quel crime? Ta soeur. Ta soeur. Oh. Quoi?
toi. Hey. C'est pas fermé. Il faut regarder. Mais... Va voir. Mais Mbori, regarde pour toi. Ça s'est pas transformé. Attends. Ça y est là. D'accord. Ah mais hey, attends. Et toi aussi. Attends, je vais regarder. Il faut voir. Ça est là. Ça est là-bas. Oui. Hey. Il a tout compris. Hein? Je te dis qu'il a tout compris. Regarde ta position, regarde. Il s'agit pas de plus. Aujourd'hui c'est fini. Là quoi? Il a tout compris. Ah, il a... Tu n'as pas vu ta position. C'est pas la solution. Il faut t'asseoir. Qu'est-ce que tu veux faire? Assois-toi. Il faut t'asseoir. Cesse de pleurer. Tu sais ce que tu vas faire? Je l'ai menti. Je lui ai dit qu'il y a une transformation au village. Les hommes sont devenus des garçons et les femmes sont les garçons sont devenus des filles. Tu as compris? Hé! Hey, parle pas toi! Mon Dieu, là, il a une énorme. Il va comprendre si tu pleures. Tu vas sortir en disant, ah, mon beau, je ne suis pas venu comme ça. Est-ce que tu as compris? Tu as compris? Si tu décolles là-bas, c'est ton affaire. Il va me tuer. Mon Dieu, là, il va comprendre aujourd'hui. Tu es. Et toi aussi, on dirait que tu n'es pas un garçon. Doucement, ne pleure pas. Toi aussi. Ah ouais, si il comprend. Il va pas te tuer. J'ai trompé, toi aussi. Allons-y. Je ne vais pas quitter mon mari comme ça. Dieu merci, mon plan a réussi. On ne peut pas contrôler une femme. Même Dieu a peur de la femme. C'est très bien ça. Je ne suis pas transformé. Ah, Dieu merci. Je ne suis pas transformé. Pa, pe, et pem, pem, pe, pa, pem, 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 pem. Je ne suis pas transformé. Pem, 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 pem. Je ne suis pas transformé. Ah, Dieu merci. Dieu merci.